Après, au pire, on peut garder Irelia pour autre chose et on peut jouer Lee Sin s'il est dispo. Peux-tu m'accepter en ami? Faut que tu me redemandes, Ali. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est rarement tes viewers qui font nimp. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis triste. Non, mais la prochaine, Susano. La prochaine, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je banne si je banne pas Lee Sin? Kha'Zix? Fizz Jungle? Non, Fizz Jungle, pour le coup, ça me chauffe vraiment peu. En fait, Fizz, j'ai envie de le jouer mid. Irelia, j'ai envie de la jouer solo. Donc là, si Lee Sin est dispo, on va partir sur Lee Sin, hein. Allez hop, meilleur Lee Sin de France, les amis. Là, ça va être une game qui régale. C'est encore une soirée qu'on va full... On va full jungle, c'est possible, hein. C'est malheureusement possible. Comme mon idée. Tape point d'exclamation idée. Bon, en tout cas, c'est le retour de la solo queue. C'est pas encore immédiatement le retour du salon 1. Il va falloir que je réapprenne à... Il fait 20 degrés, hein. Il fait 20 degrés. C'est vrai que le froid m'a transi. Je trouve plus mes mots. Je trouve plus mes mots. Tu vois ton top laner qui est aussi ton viewer, tu le campes. Ok. Je prends note. Camp top. Je note camp top. Ça, c'est des bons conseils, Gajuel. Il doit devenir une machine de guerre. C'est vrai. Après, là, là, on a une compo qui est bien. 3 soins. 3 soins, ça fait peut-être un peu beaucoup, effectivement. Ce serait bien qu'au moins sur la duo lane, ils se mettent d'accord. Toi, ton viewer qui s'appelle Gash, tu le bannes. Arrête pour une fois qu'il est de bons conseils. Non, même pas pour une fois, Gash Bellier. Je vais aller bien la plupart du temps. Merci pour le follow, Shaq Cozy. Installe-toi confortablement, tu risques de passer un excellent moment. Excuse-moi pour mes envolées lyriques de la dernière game. Je fais ce que je peux pour être au max. Et je le suis pas, mais... Ça revient... Quoi? Mais... Pourquoi? Oh, non. Dites pas que c'est le retour des câbleries. Je vais câbler... Non mais là, et c'est bon, il est branché le câble. Faut jamais souffler dedans. Oh non. Oh non. Je vais vraiment finir par racheter un téléphone et... Ça va me coûter beaucoup trop cher. Il faudrait refaire tout l'overlay parce qu'il sera pas au même format, mais... Visiblement, on va pas avoir le choix que de le faire. Vous allez récupérer l'image bientôt, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Va dans le bush du raid des ennemis. Bah, j'aurais bien voulu, sauf que... Comme j'ai eu un petit problème technique entre-temps. On sort le mec qui soufflait dans les cartouches de 64 et Game Boy. Fun fact, Raveman, je n'ai jamais eu de Nintendo 64 ni de Game Boy. Je soufflais dans les cartouches de Super Nintendo. Plus tard de Game Boy Advance, mais là on est quand même bien bien plus tard. Je sais même pas pourquoi j'ai soufflé dedans en plus, parce que là le problème c'est un problème de mon téléphone où la prise est abîmée, donc le câble tient pas bien. De toute façon, quand il y a de la poussière, elle est excessivement collée, c'est pas en soufflant qu'on va l'enlever. Vive Apple. Ça, c'est du nouvel humour. Celle-là, elle marche. Celle-là, elle est drôle, Ali. Je vais vous montrer ça quand tu me snipes, Guppé, avec plaisir. Super Nintendo, c'est la console de mon père. Il a quel âge, ton père, Sarkozy? Parce que ça se trouve, je pourrais être ton père. Hein. Enfin, impossible. Ah, il s'est mis aux jeux vidéo sur le tas, ouais. Merci, j'essaie d'être drôle de temps en temps. T'y arrives pas mal. T'y arrives pas mal. C'est bien joué de ta part. J'ai vu Jax au-dessus, là. Il est déjà sur le carap. Ah, il a eu le temps de le faire. Oh là là, non, la chance, il a juste bien joué. Bah non, Harry, on peut pas... Non, tant pis pour moi, hein. Tant pis pour moi, j'ai perdu mon flash. J'ai pas eu le carap. J'aurais dû vite courir au carap de l'autre côté, en réalité. En fait, il a dû faire 3 camps, là où moi j'en ai fait 4.
Cette ward de qualité. Elle était pas dingue ma ward en vrai. Ouais, il est parti totalement sur l'autre carap. Faut toujours faire 3 camps puis carap. Bah moi je fais toujours 4 camps puis carap et la plupart du temps ça passe. Ah par contre là, il est à moi. Oh, il est pas à moi. Il est pas à moi. Irelia, elle est à moi. Darius, machine de guerre. Prends le kill, Darius. T'as vu comme je lui ai laissé le kill? Trop sympa, hein. On va mettre un petit kick sur Fiora, là. Chope là. Ah, t'as pas le cooldown du grappin. Si tu l'as là. Ah, je peux plus... Allez, l'ulti dans un sbire. J'ai pris l'aggro un coup. J'ai fait de mon Darius une machine de guerre, on est d'accord. Voilà, on va juste se faire ramasser par Jax. Vas-y, vas-y, back, back, back. Moi, je vais occuper Jax. Moi, je vais me suicider même. Voilà. Ah, dommage, on aurait dû se buter tous les deux. Je pensais qu'on aurait le temps de te faire oublier. Bon bah Jax. Bien joué Jax. Y'a pas de shutdown comme ça. Sur qui? Ah sur Darius. Ah oui. Si on le tue une fois, chaque fois qu'il fait 2 kills, il accumulera jamais de shutdown. Est-ce que au total il va pas donner autant de gold? Je sais pas. Je sais pas comment ça marche les bounties, si vraiment ça... Ça démultiplie le nombre de gold total ou pas. C'est quoi mon rank? C'est écrit sur l'écran le Kiz. Faut pas le louper normalement. Non, diamant 4 actuellement. Allez la bombe. Oh pas mal. Oh genre j'ai loupé ça. Oh c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Grave DB c'est pas un smurf. Le Jax? Écoute, il a pas fait grand chose de très impactant dans la game pour l'instant, mais il a l'air d'être au bon endroit au bon moment globalement. Donc on va rester méfiant vis-à-vis de lui. Merci Miss Fortune pour le coup de main, parce que... Oula! Vous faites quoi là? Ils ont flash à 3 à travers le mur? C'est pas un peu excessif? Avant Kha'Zix tu pouvais faire 4 camps et t'avais le temps du spawn du carap, mais avec les buffs des camps tu peux plus. Ah c'est peut-être le buff des camps du coup qui fait ça ouais. Salut Dubnakem, bienvenue à toi, toi confortablement. Je risque de passer un excellent moment. Rush le Drake puis fonce sur le Herald. Non c'est inutile. En fait du moment où Jax était pas au Drake, c'était sûr qu'il était déjà au Herald et donc en fait le temps que j'arrive... Oh, genre c'est trop dommage que c'est pas touché ça. Je serais allé chercher l'AMF. Faut que je back là. Faut que je back en réalité. Sin, c'est vraiment le perso que j'aimerais main et connaître tous les mécanismes. Ah bah y a pas de secret. Alors je le main pas du tout. Je connais pas du tout tous les mécanismes. Très très loin de là. Mais y a un truc que je sais et que je peux te dire, c'est qu'il y a pas de secret. Il faut juste beaucoup le jouer. Je pense que joue-le jusqu'à ce que ça aille. Fallait au moins qu'on teste le Herald pour Darius. Bah en fait je me suis dit. Mais peut-être à tort, hein, Gashbel. Je me suis dit que d'ici à ce que j'arrive au Herald, il serait déjà fini. Et du coup, en fait, bah, j'ai juste rien fait, donc c'était pas bon. Je pense quoi de Lux mid? Ça peut marcher, mais globalement, ça met pas assez de dégâts et c'est trop fragile et immobile. Trop facile à gank. Bah, c'est pas le mid laner que je mettrais en top tier, en tout cas. Bon, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. On va quand même aller lui mettre un coup de pompe. Oh, elle insiste. Bon bah j'ai pas fait de mon top laner du coup un monstre. Je suis arrivé après sa mort. C'est dommage. Quand tu gagnes en early, je trouve que le Herald est mieux que le Drake. T'as sans doute raison. Vile Jungle, tu penses quoi dans la méta actuelle? C'est bien Vile. En solo queue, c'est bien. En fait, le truc, c'est qu'en solo queue, il y a énormément d'assassins qui sont joués. Et bah tu vois là si on regarde la game, allez, en étendant un peu la définition d'assassin, on a Jax, on a Irelia, on a Fiora, on a Ahri, on voit très souvent des Yasuo, des Akali, des Kha'Zix, des Katarina, toutes ces choses là. Tous ces personnages qui sont difficiles à choper, difficiles à coller en place et vraiment à pouvoir les tuer facilement. Tendance à rentrer et sortir du fight un peu comme ils veulent. Et pour le coup l'ulti de Vi c'est un très très bon outil pour ça.
pour dire à tous ces persos super mobiles, reste là le temps qu'on te bute gentiment et puis on passe à autre chose quoi. Après je pense qu'en compétitif, Vi c'est vraiment pas terrible. Parce que c'est trop prévisible et trop facilement contrable. Par contre en solo queue je pense que c'est un chouette perso ouais. Après la Horizon Cup globalement gâche, je pense que c'est pas un très bon exemple. Tu peux QSS l'ulti de Vi? Non, tu peux pas QSS l'ulti de Vi. Tu peux Zhonya avant qu'elle t'arrive dessus par contre. Tu peux Zhonya avant qu'elle t'arrive dessus. On voit pas souvent. Oh, tiens. Pas mal ça. Petit move là. C'est quand le Drake? Dans longtemps encore, ouais, 30 secondes, on n'y est pas. Bon, elle est à nous cette tour là. Ouais, elle est à nous cette tour. Faut back là. Après la tour alors. Éloignez-vous du danger. Oh, j'ai subi l'ignite. Vite, mangez des fruits. Non, adieu. Je survis. Ah, grâce à un level up, je pense. Nickel. Bon bah finalement on n'a pas plus que ça appuyé sur la laine du Darius mais on arrive quand même à faire des choses. Il va falloir Drake, il va falloir se méfier du Jax. Ouais, il aurait fallu back un petit peu avant le Drake. On s'en sort bien. C'est quand même mieux foncer Herald. Oh j'ai le temps de faire les deux là. C'est quand même mieux Lee Sin que Panthéon hein. Pas se mentir. Tu te casses, le truc de la nuit là qui m'a sauvé du grappin de Blitz. Ça fait trop plaisir. Et là on va Herald. Gentiment. Salut Raclette. Manteau de la nuit MVP. Oui c'est ça, le manteau de la nuit voilà. Merci beaucoup Raclette pour l'abonnement offert à Trent. Merci énormément. Trop plaisir. Comment ça va mon pote depuis le temps? C'est vrai qu'on s'est pas vu pendant 3 jours et comme on disait tout à l'heure. 3 jours sur internet c'est un an. Ah, j'ai envie d'aller caler le Herald là-haut mais... Pas le temps. Ah bah Trent était là, il était là dans l'ombre. Incroyable. Elle est un peu fatiguée la Irelia. Alors en même temps c'est lundi, hein. Lundi c'est le jour le plus dur de la semaine. Le lundi soir, passé minuit, je comprends qu'on soit fatigué. Petite relance de 10 comme ça. Voilà, c'est parti pour 10. Oui, petite relance de 10 de la part de Raclette. Pour le poulet poulet, Chan, Nico Percé, Wiglo, Jololo, Melinda, Nubi, Oasis, The Furusic, Berserk et Tom Tom Sawyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raclette. Eh bah ça en fait ce soir. Dire que je vous disais en début de soirée que j'allais coder Koboti pour qu'il fasse des annonces personnalisées pour les x10. Et que c'était toujours pas le cas. Moi qui voulais lancer des tests, j'aurais dû savoir. Dites-le moi à l'avance quand vous allez balancer du x10 comme ça. Merci énormément. Merci énormément pour votre soutien, principalement. Principalement Raclette au chorizo. Et Castle of Pain, d'ailleurs. Ils ont tous les deux offert 10 abonnements ce soir. C'est trop plaisir. Salut la Dimé. Comment ça va? Et quel est donc ce sortilège? C'est les abonnements offerts. En plus, il en a offert 10, donc là, on est parti sur 10 fois Bouy. 10 fois Bouy, ça fait beaucoup. On sort à 1 HP, le petit man. Ok, on finit pas le Nexus, là. On finit pas le Nexus. Ah oui, c'est ça. On n'a pas vraiment fait en sorte que Darius devienne une machine de guerre. Par contre, moi, j'en suis devenu une. Je sais pas si je gagne le duel contre Fura. Je devrais gagner le duel. Oula. Ouais, ça a bien fonctionné. Moi je mets une Amumu, il est jamais banné, il fait le taf en solo queue malgré qu'il soit low tier. Je suis totalement d'accord avec toi Dubneken. Je pense que Amumu c'est un perso un petit peu sous-estimé en solo queue.
L'annonce des subs est incroyable. On remercie Klein pour sa voix et son originalité. Reste bien en tête, ouais. Bah surtout quand on se la tape 10 fois d'affilée. C'est pour ça que prochainement je vais faire un truc où ce sera une annonce différente pour les 10 subs, mais mais on n'y est pas encore. C'est bon, on est arrivé au bout. Oui, non, c'est pas fini. Mais loin d'être nul, Rockfull dit lui-même qu'il était souvent dans les meilleurs winrates. Oui, bah c'est pour ça que la perception que les gens ont des persos et la réalité statistique de leurs résultats sur la faille, quel enfer. Quand il y en a un, c'est génial. Quand il y en a deux, c'est fun. 3, c'est pas trop mal. 5 ou 10, ça commence à faire vraiment beaucoup de bruit. Ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup de bruit. La musique est faite en mode bruit. Non, en fait... pourquoi l'annonce n'est-elle pas regroupée? Parce que pour avoir les annonces regroupées sur Streamlabs, il faut payer et prendre Streamlabs Premium qui coûte 20 balles par mois. Et donc, je vais tout simplement bazarder Streamlabs et je vais recoder moi-même un bot qui fait ça. Comme ça, ce sera réglé. Il va falloir qu'on fasse un peu de test ensemble. Oh, j'ai tout mis dans sa riposte. C'est vachement bien, Lee Sin, hein. Ça me plaît, hein. Ça me plaît, ça me... Et du coup, l'idée que j'ai... Alors, dans un premier temps, ce sera pas en version Bouy, parce qu'il va falloir demander à ce que ce soit fait. Moi, je sais pas le faire, du moins aussi bien que Klein sait le faire. S'il est pas dispo ou s'il a autre chose à faire, je vais pas le forcer. Pour les 5 subs, je pense mettre le son dans Super Mario quand on arrive au château de fin de monde dans le Mario d'origine. Vous savez quand ça fait? Avec les feux d'artifice après. C'est la cocotte TV, c'est la cocotte TV, c'est la cocotte TV.